Salut à tous et à toutes, c'est Owendis, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Splatoon! Ou comme ils le disent dans la fameuse pub française, Splatoon! Comme ça, ça me fait marrer cette pub. Et donc on se retrouve pour la vidéo découverte de Splatoon, qui sera donc une vidéo que sur YouTube. Et donc, là je reviens... de mon magasin de jeux vidéo, et je me suis donc acheté Splatoon avec son amiibo Squid. Pour ceux qui veulent voir une photo, vous pouvez aller sur mon Facebook ou sur mon Twitter, j'ai mis les photos. Et le petit amiibo, il est bien sympatoche, je le trouve bien joli, donc il est bien cool. Donc, on va choisir entre fille ou garçon. Alors, logiquement, je devrais prendre garçon, parce que bah, je suis un garçon, tout simplement. Mais j'ai envie de prendre la fille, parce que je la trouve plus jolie que le garçon, en fait. Et j'hésite, en fait. Allez, mon cœur parle avant tout, je prends la fille, parce que je la trouve beaucoup plus jolie, beaucoup plus sympa à regarder. Je vais prendre comme ça, les yeux, je les prends bleu. Bleu-vert, c'est sympa aussi. Je regarde un petit peu les couleurs. Non, je vais prendre bleu-vert. J'hésite entre bleu-vert, bah vert ou bleu. Non, je vais prendre bleu, parce que c'est pour mes yeux. Donc oui, ce look me convient. Alors, est-ce qu'on va se retaper le fameux... Ah, mais on se retape le fameux didacticiel tout pourri. Ah, le fameux... Donc c'est le même didacticiel que la dernière fois. Qu'il y avait dans le... Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Le Splatoon Global Test Fire, voilà, c'est ça. Donc c'est exactement le même, même tutoriel qu'on est en train de se taper là. Donc moi je sais où je dois aller, donc c'est très bien. J'ai pas besoin de m'entraîner, je connais le jeu hein, déjà les gens. C'est ça pour sauter? Non, c'est celui-là, ouais. Faut juste que je retrouve les touches, hein, parce que bah, ça fait déjà 2 ou 3 semaines hein, qu'on a eu ce petit, cette petite démo. Donc, c'est normal que je me souvienne pas forcément des touches, même si le jeu est un gameplay très très simple et très très intuitif. Le petit R pour lancer son objet secondaire. Donc voilà. Hop, très bien. Et donc ça, ça met fin au tutoriel. Très bien. Alors on va tout de suite changer un truc parce que j'aime pas utiliser le gyroscope. Je préfère jouer à la... au joystick droit. Et on a une petite cinématique. Splatoon! Ok, donc on appuie sur ZR. Alors voilà donc, ça baigne les sèches. Tout de suite, voici venir la chronique de Chromapolis. Mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, alors ça va nous présenter les stages. Donc comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo, donc en fait il y aura 2 stages qui vont être disponibles pendant 4 heures et après...
On a deux nouveaux stages. Donc voici les stages actuels pour les matchs classiques. Suspense, suspense, tadam! Donc Ayo et Oli, qui sont en fait les deux personnages qu'on nous avait présentés et qui finalement sont un peu les présentatrices du jeu. Donc on a le passage turbo. S'approprier la zone centrale, c'est primordial. Je miserai sur les allées latérales pour attaquer. Et elle nous donne des conseils, très bien. Et la station 12 brises, donc ça c'était un endroit qu'on avait fait pendant la démo. T'as des conseils pour ce stage, Oli? Tirer de l'encre, plein d'encre. Wouah, attention, flash spécial! Qu'est-ce qui se passe? Le grand poisson charge de Chromapolis a disparu. Hein? T'es sérieuse? Si on le retrouve pas, on n'aura plus d'électricité. Mais non, tout ira bien, hein? Je me demande si ça a un rapport avec l'OVNI. Tu sais, celui qui s'est écrasé dans le coin, là. Ce serait pas surprenant. Voilà, c'est tout pour le moment. À plus tard, calamar. ça me fait marrer. Donc, bienvenue à Chromapolis. Ici, c'est la place de la ville, là où se ressemblent les gens les plus classes. Jour après jour, ceux-ci s'amusent à s'affronter dans des joutes sans sas. Donc, l'œuvre architecturale qui te fait face, c'est la tour de Chromapolis. C'est le symbole de la ville. Très bien. Son rôle permet d'accéder aux matchs multijoueurs en ligne. Ça, c'est le centre commercial local des Galeries La Crevette. On y trouve des armes et d'autres pièces d'équipement fabuleuses. Cependant, les vendeurs sont un peu particuliers. Ils refusent de trotter avec ceux qui manquent de classe. C'est comme ça. Le premier étage de ce bâtiment abrite le dojo. Tu peux y affronter tes amis en duel, c'est parfait pour se faire la main. Tu vois cette impasse là? Il y règne comme une drôle d'ambiance. Mais bref, passons à... Tiens. D'où il sort celui-là? C'est louche, il a l'air complètement paniqué. Bref, si tu allais dans le hall de la tour pour participer à un match. D'accord, on va... Tout de suite faire on va tout de suite faire un truc comme je disais. Faut juste que je trouve où c'est. Donc c'est pas ça. Non, c'est pas ça, j'ai dit. Excusez-moi, je cherche juste comment on fait pour modifier. Et bah, j'en sais rien parce que je ne trouve pas. Est-ce que c'est parce que là je peux pas? Alors on va se balader, je voudrais trouver le truc pour les amiibo. Il est là. Donc comme ça je vais vous faire voir l'amiibo que j'ai. Hein. Donc ça c'est des gens, hein. Donc ça c'est leur personnage. Et vous voyez, il y en a déjà qui sont niveau 6, ils sont complètement tarés des gens. Donc lire un amiibo. Donc on va. Je vais vous faire voir mon petit amiibo, attention. Paf. Et oui, putain, à peine posé ça marche. Hein. Je vous le dis, c'est super bien fait quand même. C'est mon premier amiibo, je ne connais pas du tout. Bien le bonjour et merci de m'avoir fait accoster ici. Toi, tu veux mettre ton talent à l'épreuve, hein? Ça te démange, pas vrai? Tu tombes bien, j'ai préparé quelques défis qui devraient t'intéresser. Alors, tu tentes le coup ou tu te défiles? Oh, t'as pas encore visité l'Octa Valley? Eh bien, tu devrais. D'ailleurs, inutile d'espérer un défi tant que tu n'as pas eu ton baptême de l'encre. Allez, l'aventure t'attend, reviens plus tard et on en parlera, entendu? D'accord, donc en fait, si pour l'instant, je ne peux rien faire. Ah, ça m'embête vraiment de ne pas avoir la touche. D'accord, je peux viser pour regarder un petit peu. Je vois un personnage bizarroïde. Est-ce que je peux lui parler? Pas du tout. Je peux le regarder de face. Qu'est-ce que t'as? Merde. Ah, il disparaît. Je suis trop près. Qu'est-ce que t'as? Oh yeah. Donc ça c'est pour jouer au mini-jeu. Donc ça c'est tous les magasins. Mais pour le moment ça ne sert à rien d'y aller. Je pense. Il y a des boîtes aux lettres. Publiées sur Miiverse. Il y a le gros chat. Miaou, non mais regarde, toi, tu fais peur à voir. Direction le hall, Fissa. Là-bas, participe à des guerres de territoire pour augmenter ton niveau. Ensuite, va faire un tour à la boutique d'armes sur la place.
D'accord, donc pour le moment, on me demande d'aller faire des points, il faut que je gagne des points. Très bien. Faisons des bons! Ici, donc, on a un personnage. Donc, ce personnage-là, qui est ici, je ne sais plus son nom pour le moment, je ne vais pas lui parler tout de suite. Ce personnage sert en fait à ajouter des améliorations sur les équipements que nous aurons. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, là-haut, il disait qu'on avait le dojo. Donc, le dojo, c'est ça. D'accord. Ah oui, et les deux personnages qu'on a vus tout à l'heure, elles sont là. D'accord. Très bien. Et ben moi je propose qu'on aille tout de suite au hall et on va essayer de se faire un petit truc. On va se faire une petite partie hein, pour voir. Alors bienvenue dans le hall. D'ici tu peux participer à divers matchs. Prendre part des matchs te permet d'augmenter ton niveau et d'obtenir de l'argent. Des nouveaux objets sont mis en vente lorsque tu passes au niveau supérieur. De nouveaux modes de jeu se débloquent également. Pour acheter des armes et de l'équipement, tu as besoin d'argent. Pour l'heure, si tu veux atteindre la classe ultime, ils te font enchaîner les matchs. Pour commencer, sélectionne match classique. Pas besoin de potasser, il suffit de se lancer. N'oublie pas d'aller voir les vendeurs de la place si ton niveau augmente. Allez, bonne chance. Une remarque au passage, si tu prends part à des matchs en ligne, il se peut que tes résultats soient publiés dans le jeu et en ligne. D'accord, donc match classique avec tes amis, match pro. Donc match pro pour le moment ce n'est pas disponible. Parce que comme je l'avais expliqué dans la vidéo que j'avais fait sur la démo le Global Testfire, les matchs pro en fait il faut déjà être minimum niveau 10 pour pouvoir y jouer en match pro. Et comme ils avaient dit, le match pro ne serait pas disponible tant qu'il n'y aurait pas assez de personnes au-dessus du niveau 10. Donc on va faire un match classique. Et donc on peut faire match classique avec tes amis. Mais je pense que là pour le moment j'ai pas de gens de connectés et qui ont le jeu pour le moment. Je sais que Oni va avoir le jeu. Je sais que... Ah oui, il y a déjà des gens qui sont niveau 11, niveau 8. Je sais qu'il y a des gens qui ont le jeu depuis déjà plus d'une semaine. Parce que le jeu est disponible sur Paris déjà depuis la semaine dernière. Mais je m'en fous, moi j'ai eu mon jeu, j'ai eu mon petit amiibo qui est bien sympatoche. Et je l'aime bien, il est joli. Au départ, quand je l'avais vu, il m'avait pas paru super génial. Et quand je l'ai vu en magasin, bah je l'ai trouvé beaucoup plus joli. Ah, je suis pas le seul niveau, hein, bon. J'ai pas pu changer le truc, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe si je pouvais le faire. Donc on va le faire avec le gyroscope pour le moment. Et je suis tout rose. Comme la première fois que j'ai joué au jeu. J'ai l'impression que cette couleur en fait va me poursuivre peut-être. Donc on peinturlure. Donc vous connaissez, hein, on avait vu ce terrain déjà. Je me fais viser. Attends, c'est quoi? Ah oui, d'accord. Alors, il y en a un qui a balancé le système de. J'ai liquidé quelqu'un. Ah! Me suis fait liquider aussi. Ah et donc là maintenant on voit bien la personne qui nous a attaqué avec son... Ça c'est bien cool. Donc on pense, hein, le plus important c'est quand même de mettre de la peinture un maximum partout partout. Il faut qu'on peinturlure partout de notre encre. Parce que c'est pas de la peinture, c'est de l'encre. Alors, il y a quelqu'un qui a utilisé le missile tornade. Donc ça, c'est plutôt pas mal comme objet. Et donc au niveau de mon équipement, là, pour le moment, j'ai l'équipement tout à fait basique. Et au niveau de l'arme, j'ai le liquidateur junior. Qui est donc le liquidateur beaucoup plus rapide, normalement.
mais qui a une moins longue distance que le liquidateur normal. Alors j'espère pareil qu'il y a beaucoup beaucoup de... Vous voyez, je peinturlure un maximum pour déjà un gagner des points. Parce que en fait les points, pour ceux qui voudraient le savoir, en fait les points sont très importants pour une bonne raison. Ah! Attends, il y a quelqu'un qui m'a balancé. Ah! Je sais pas où est le mec qui m'a attaqué là. Ah, j'ai pas eu le temps d'activer mon bouclier. Bon, je crois qu'on a perdu parce que vu la map, vous voyez là, il y a vraiment, vraiment beaucoup de bleu. Bon, je pense qu'on a perdu, hein. Perdu de beaucoup, hein, quand même, 20% presque. Non, même plus de 20%. Mais c'est pas grave, parce qu'on gagne quand même des points, normalement. Donc les 624 points qui vont servir en fait d'expérience et d'argent. Et donc, voyez, j'ai bandeau blanc, t-shirt classique et chaussures classiques, je crois, je sais plus. J'ai pas moyen là de changer. Ah oui, alors j'ai le petit jeu, comme j'avais expliqué pendant le mini-jeu, en fait, j'ai un petit mini-jeu pour attendre le temps que le chargement se fasse. Et ça ressemble à une sorte de doodle jump. Ça me fait trop marrer. Yeah, voilà, j'ai gagné. Et il reste une personne, donc on a encore un peu de temps. Je me suis loupé. Manque toujours une personne. Je suis le seul niveau 1. J'ai l'impression d'être le seul français pour le moment à avoir le jeu. Non, je rigole. Il y a des gens qui ont eu le jeu bien avant. Donc ça, je le sais. On est toujours en attente d'un potentiel huitième concurrent. Donc je m'excuse, hein, pour le temps que ça prendra. J'espère qu'on va vite trouver, on va pas attendre 3 ans. C'est-à-dire que pour le moment, hein, le jeu est pas logiquement n'est pas encore sorti. Et j'aimerais bien atteindre le niveau 2, ce qui serait plutôt pas mal. Voilà, maintenant... Ah, ça y est, j'ai entendu l'arrivée d'un huitième joueur. Donc c'est parfait. Alors, j'aimerais bien avoir... Ouais, c'est très bien. Donc passage turbo. Donc ça, c'est un terrain que je ne connais pas du tout. Et je suis orange. Ah bah alors oui et non, on le connaît parce qu'en fait je crois que c'est le terrain qu'on a eu, c'est le terrain de... Comment ça s'appelle? C'est le terrain qu'on a eu pendant le tutoriel je crois, si je ne me trompe point. Alors pour de ce que j'en ai compris pour le moment, par rapport à ce que l'on voit là. Là, j'ai mon petit bouclier d'activé, c'est parfait. Et vous voyez, c'est noté ce... On sait ce qu'utilisent les persos. Ah, on a liquidé un petit bonhomme. C'est parfait. Alors là, vous voyez, je suis visé. Ce qui fait que les gens savent où je suis.
Donc faut vraiment que je fasse gaffe. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un truc qui sert en fait à. Ah! Je vais faire mon petit truc anti. Je vais essayer de grimper. Allez! Voilà, c'est bon. Et regardez, ouh, une zone que personne n'est venu. Ça, c'est parfait. Vous voyez, ça me fait gagner des. Ça va me faire gagner du point, ça. Parce que vous voyez, c'est une zone où il n'y avait personne. Bah, il n'y a personne qui est encore allé dans cette zone. Je crois avoir vu un ennemi, non? Je suis en train de peinturlurer un pote. J'ai eu très peur. Ah, je me suis fait dégommer. J'ai rien pu faire. Le nettoyeur XL. Ouh, ça a l'air d'être puissant. Donc là, je vais utiliser mon petit jump pour atteindre la zone. Il faut peinturlurer. Toi, tu meurs. On va faire un saut. Oh, ça marche. Je croyais que ça allait pas passer. Mais c'est passé. Et vous voyez, alors, le petit anneau qui apparaît des fois autour de nous, en fait, c'est un. C'est un système pour se faire observer, on va dire, finalement. Quand on se fait observer, en fait, ce petit anneau, en fait, montre aux ennemis où nous sommes. Je sais pas, là c'est un peu serré. Ah, on a gagné, mais de très peu. On avait vraiment du bol. Et vous voyez, en fait, une victoire, ça nous rajoute 300 points supplémentaires. Donc voilà, moi j'ai fait 935 points en tout, je pense. Et donc voilà, et donc là j'ai gagné et j'ai une amélioration qui se débloque sur chaque morceau de tenue. Donc là, je vais quitter. Est-ce qu'on a. Bah, on a réussi à. Ah oui, alors, est-ce qu'il est possible de changer? C'est vrai que j'ai pas encore pensé à y regarder ça. Alors attendez, je vais plutôt regarder ça tout de suite. Personnalisation, peut-être. Ouais, mais non, c'est l'autre truc. Alors, est-ce qu'il n'est pas possible de changer? J'essaie de regarder, c'est peut-être sur. Ah, option. Ah, voilà. Donc, 100. Ah, et on peut changer de couleur et de le sexe de notre personnage quand on veut. Très bien. C'est très bien. Donc là, voilà, normalement, je bouge maintenant la caméra avec le stick. Voilà, maintenant c'est mieux. Donc on va aller au magasin, on va aller voir les magasins. Et je pense qu'on finira avec le mode normal, le mode solo. Hey, salut, je sais pas trop comment te dire ça. En fait, il y a genre un peu une règle ici. Si t'as pas la classe, on peut rien te vendre, tu vois. Peut-être que si tu atteignais, je sais pas, le niveau 4, ouais, là, je pourrais peut-être genre t'aider. T'as qu'à aller vers, genre, le hall, histoire de livrer des gardes de territoire, tu vois, ça devrait le faire. D'accord, donc il faudra qu'on soit niveau 4 pour. Et j'imagine que ça va être comme ça dans toutes les boutiques, mais je veux vous les faire voir au moins. Remerciement, visite Octomode, contrôle visiteur en cours, bloop. Choc, classe absente, impossibilité client, bloop. Niveau classe requis, niveau 4. Amélioration rapide possible, bloop. Méthode conseillée pour cure de glace. Guerre de territoire dans hall de tour, retour souhaité, bloop. Très bien. Et on va aller voir le dernier qui s'occupe des armes. Et donc je pense qu'en fait, à chaque fois, il faudra que je sois minimum niveau 4 quand même.
pour. Ah non, c'est pas la dernière, parce que ça, c'est pour les. Salut, céphalopote. C'est sympa de passer voir Omar. Ou plutôt, ça serait sympa si t'avais un minimum de classe. Sérieux, je peux rien faire pour toi, là. Reviens me voir quand t'auras le niveau 4 au moins. Désolé, c'est la règle. Tu sais comment on fait, pas vrai? Tu vas dans le hall et tu lèves des gardes de territoire, ça ira vite. Et il y a aussi normalement le truc des flingues, mais je l'ai pas vu. Parce que c'est le truc à côté, voilà, ça doit être ça. Ça doit être ce truc-là pour les pistolets, voilà, c'est ça. Pour les armes, donc ça doit être pareil. Ben salut, je sais, tu veux acheter des armes. Justement, j'ai tout ce qu'il te faut. Nos armes, c'est du 3 en 1. Il y a le principal sur ZR, le secondaire sur R, bien sûr, la spéciale. T'inquiète, c'est pas compliqué, tu peux même essayer avant d'acheter en appuyant sur Y. Pour plus d'infos sur les armes secondaires et spéciales, appuie sur Home et lis le mode d'emploi. Toi, tu as déjà pris part à quelques zouts, je le vois bien à ton niveau. Bah alors c'est bon, je t'autorise à manipuler mon liquidateur adoré. Liquidateur, un classique intemporel, c'est la version revue de l'arme phare de la Grande Guerre du Territoire. Elle a fait fureur sur les zones et a popularisé nos guerres de territoire à nous. Liquidateur, bombe ballon et bombardement, le trio gagnant pour apprendre les ficelles du combat. Ce qui ne veut pas dire qu'il est absolument réservé aux débutants. C'est sympa le retour au classique aussi. Ah oui, donc on a obligatoirement des. D'accord, je pensais vraiment qu'on avait en fait. D'accord, donc jusqu'au niveau 20 pour le moment on a des armes. Et donc bien sûr, hein, comme ça a été dit, il y aura des armes qui s'ajouteront petit à petit dans le jeu. Donc c'est toujours une bonne chose. Eh bien, je pense que je vais me prendre le liquidateur normal. Donc voilà. Donc top là. Donc là je prends maintenant. Et donc voilà. Donc armes secondaires, bombe spéciale, bombardement. Et si je prends le liquidateur junior, donc celui que j'avais tout à l'heure, bombe splash et bouclier. Donc vous voyez, en fait, c'est selon l'arme principale que j'ai, les armes secondaires et autres sont modifiées. On ne peut pas. Donc je ne pense pas qu'on puisse choisir. Ouais, en fait, le truc se met au bout, d'accord. Ok. Très bien. Donc, je pense qu'on va aller voir le mode solo. Donc, le mode solo. Ah, et je vais aussi aller retourner voir mon. Non, je vais aller voir le mode solo. On va aller voir le mode solo. Donc, le mode solo, il faut parler à ce monsieur. Il faut rentrer, en fait, dans la bouche d'égout, on peut le dire. Et donc, ça va activer le mode solo, logiquement. Ah, attendez. Les octariens, ils arrivent. Ah, désolé, je crois bien que je me suis laissé emporter un petit instant. Je suis l'amiral. Oh là là, j'arrive pas à lire, hein, je suis désolé. Je suis l'amiral Macalamar. Je dirigeais le célèbre escadron Espadon. Je vois dans tes yeux, tu es le calamar que j'attendais. Le grand poisson charge, la source d'énergie qui alimente Chromapolis a disparu. Tout le monde croit que j'ai perdu la boule, mais moi je te le dis, c'est les Octariens qui ont fait le coup. Ça fait 100 ans qu'ils ont perdu la guerre et 100 ans qu'ils attendent que de se venger. Mais je les ai toujours eus à l'œil, moi, je sentais le coup foré. Ça les a pas empêchés de piquer le grand poisson charge, juste sous mon nez. Mais tu vas m'aider, pas vrai? Ensemble, on va récupérer le grand poisson charge. Je vais prendre ton silence pour le vibrant à vos ordres, amiral, que la situation exige. Alors c'est dit, te voilà donc numéro 3 de l'escadron Espadon, nouvelle version. Voici ta panoplie héroïque. Elle t'aidera à mieux encaisser l'encre ennemie. Ça te va comme un go. Même taille que numéro 1 et 2, pratique. Alors il y a des Octariens qui demandent qu'à prendre leur raclée et les fais pas attendre. Tiens, blablabla, fait apparaître les entrées et des repères en les recouvrant donc avec ZR.
J'aimerais voir en fait la tenue de notre perso en un peu plus près. Elle est sympa. C'est sympathique, je dirais. Donc voilà, donc ça j'imagine que ça c'est le hub central. Donc on va peinturer ce truc-là. Base des tentassins, objectif poisson charge. On rentre dans une bouilloire et bam! Je compte sur toi, numéro 3. Oui. Oui, très bien, mon amiral Malcolm. Alors, des tentassins, liquide-les en appuyant sur ZR. Faut faire attention. Alors on a une petite barre de vie, hein, la barre de vie qui est en-dessus, hein, de... C'est, je crois que c'est notre barre de vie, mais je suis pas sûr et certain. Et donc on peut récupérer, comme vous voyez, des sortes de petites boules oranges. Et ces petites boules oranges, c'est un peu ce qui servira à améliorer notre équipement, je crois, dans le mode héros, dans le mode solo. Point de contrôle. Très bien. Maintiens ZL pour te cacher. Et te déplacer en catimini. Tiens! Alors je ne sais pas si on pourra changer d'arme dans le mode solo et tout. Donc ça, c'est pour continuer. Ça, c'est les petits points de contrôle. Profite des murets pour respirer un coup. Voilà, hop, j'utilise mon système. Bah, j'utilise ma petite transo en squid pour me cacher et me déplacer plus vite. Et aussi, bien sûr, il faut que je pense à me régène en... En peinture. Hein. Parce que, bah, ça marche quand même toujours sur le même système. Il faut penser à la peinture. Donc, hop, c'est parti. C'est plutôt sympatoche pour le moment, je trouve. Donc là, hop, on nous dit distrais-le en lançant une bombe, sauf que si je la lance beaucoup trop court. Ah bah oui, mais je la lance beaucoup trop. Je la lance pas du tout où il faut. Ok, je regarde s'il n'y a pas des caisses à exploser. Parce que, en fait, il y a aussi des bonus à récupérer. C'est pareil, j'essaie de récupérer ça, hein, à chaque fois. Coincé. Attendez. Ok. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. J'aime bien. Pour l'instant, c'est plutôt sympa. C'est simple, mais c'est cool. Alors, je regarde si je vois pas des boîtes à casser pour récupérer des. Je crois que c'est des œufs de poisson, les petits globes, les petits globes orange. C'est des petits œufs de poisson, normalement. Ah voilà, une armure, ça tombe bien. Voilà, donc là j'ai une armure. Donc ça, il l'avait fait voir pendant la.
Portail est fermé à clé. T'as deviné la suite, pas vrai? Oui, il faut que je trouve une clé. Donc la clé est en face. Allez, monte. Je peux pas. Voilà, bien joué. Voilà, parfait. On peut continuer. Donc encore une fois, il va falloir que je trouve une clé. Touché. C'était très méchant. Alors, je ne sais pas à quoi sert l'armure, peut-être à me protéger. Ça fait que je perds moins vite de la vie, peut-être. Aïe 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 aïe. Ça sert à quoi ça? Ouh! Des ennemis qui apparaissent comme ça, hein. Toujours sympa. Je peux pas monter là-dessus. Alors j'ai loupé un truc. Parce que logiquement en fait. Ah il doit être là-haut. Putain je viens de voir. Fuck. Dommage qu'on puisse pas revenir en arrière. Et donc on récupère le poisson globe. Et bah c'est plutôt sympatoche. Comme jeu. Je pense qu'on va bien s'amuser sur le jeu. Je pense, bon, le... Bien sûr, le... Le mode solo nous fera toujours plaisir de temps en temps. Mais c'est surtout, je pense, sur le mode multi qu'on va passer le plus de temps. Je regarde combien de temps il me reste. Eh ben, on va faire le truc de l'amiibo. Donc c'est parti, amiibo, bam. Bien le bonjour, comment ça va? Dis-moi, il semble que tu aies marqué l'Octovallée d'une empreinte indélébile. J'y ai assisté, jolie tenue en fait. Et quelle fougue contre ces tentabidules. Tu as amplement démontré que tu étais apte à relever mes défis. Et puis tu n'as rien à perdre, juste des récompenses à remporter. Tu penses être capable de relever ce défi? Base des Tentacins, objectif poisson charge. Butin 600, défi Kraken, temps imparti. Donc voilà, alors, comme je l'avais expliqué pendant ma vidéo, en fait, chaque amiibo Squid, donc le Squid, celui qu'on peut avoir dans, avec le jeu, celui qu'on peut débloquer. Celui qu'on peut débloquer, donc qu'on peut avoir dans le, avec le jeu, celui qu'on peut avoir. Ah oui, attendez, je viens de voir que je suis un gros monstre. Blablabla. Blablabla. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas contre toi, tu es un bâtard. Donc vous voyez, là je me transforme en gros Kraken. En fait, le Kraken, c'est une. C'est une arme spéciale que l'on peut avoir dans le jeu. Et en fait, les... c'est surtout des défis Kraken. Ah oui, et ça... Ah oui, d'accord. Ah oui, en fait, c'est pété. Très bien. Bon, vous savez quoi? On va se dépêcher. Et je crois que c'est ça, en fait. Il fallait que je me dépêche, je crois. Non, excusez-moi. Il faut que je me dépêche en fait de.
C'est plutôt sympa. Et je pense que cette forme peut bien aider contre les... Peut bien aider pendant les parties en ligne, la forme du Kraken. Un peu chiant parce que on est obligé de les hop voilà on se dépêche bon, on a encore du temps hein. Voilà. Je dois dire, je suis impressionné. Voilà ta récompense, encore bravo. D'accord, et donc j'imagine. Ah non, c'est pas 20, c'est 25. Ils avaient dit 20, ils avaient pas dit 25. Et donc, il faut obligatoirement, j'ai l'impression, faire les niveaux du mode solo. Donc j'imagine qu'il y a 25 niveaux en tout. Et en fait, tous les 3 niveaux, on pourra débloquer un objet, j'imagine. Non, c'est un autre défi. D'accord. Donc ça, c'est un autre défi. Donc en fait, on a 25 défis et on a encore 5 défis supplémentaires. D'accord, très bien. Eh ben, c'est sympatoche. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Je pense que je vais bien m'amuser si vous... Je ne sais pas si... Voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire cette petite vidéo découverte. Je pense qu'il y aura beaucoup de vidéos sur ce jeu. Je pense qu'on fera aussi des vidéos online avec des gens. Peut-être avec Alric. Je sais que Alric a dit qu'il allait acheter le jeu. Oni, je sais qu'elle aura le jeu. Lorelai, elle m'a dit qu'elle l'achèterait quand elle se récupérerait une Wii U. Donc j'espère qu'elle récupérera une Wii U assez vite. Et si la vidéo vous a plu, excusez-moi, hein, j'ai un peu de mal à parler. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit commentaire, un petit j'aime. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et donc, je vous dis salut et à plus. Et on va aller voir les deux filles. Et on va se mettre comme ça. Et on va s'arrêter ici. Donc à plus et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!